Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire un yaourt nature, un yaourt fait maison avec des ingrédients très simples et très rapides. Pour cela, il nous faut environ 2 cuillères à soupe de yaourt nature. Ce yaourt, moi je l'ai gardé du dernier yaourt que j'avais fait. J'en mets toujours un peu de côté. Ensuite, il nous faut un récipient de 3 litres. En inox de préférence, sinon en céramique. Ensuite, il nous faudra 3 litres de lait entier. C'est du lait UHT pasteurisé que l'on trouve en grande surface. Donc, comme je disais, ce sont des ingrédients que l'on trouve en grande surface sans problème. Je vais commencer à mettre le lait dans ma casserole. Voilà, les 3 litres de lait sont dans la casserole. Ensuite, je vais les mettre au feu pour réchauffer mon lait à 45 degrés. Moi, je fais un test avec mon petit doigt. S'il ne brûle pas, c'est que c'est bon. Il faut que je puisse résister environ 5-6 secondes sans que mon doigt brûle. Mais si vous avez un thermostat, c'est mieux. Ensuite, je vais prendre un peu de lait chaud pour le mettre dans le yaourt pour obtenir un mélange assez fluide pour ensuite mettre le tout dans le lait chaud. Voilà, et au fur et à mesure, je vais incorporer mon mélange dans le lait chaud. Il ne faut pas perdre beaucoup de temps parce qu'on ne veut pas perdre la température du lait. Voilà, j'ai tout mélangé dans la casserole. Ensuite, je vais couvrir ma casserole. Je vais choisir un couvercle qui prend l'air, ce sera mieux. Et je vais placer ma casserole de lait dans le four pendant au moins 6 heures. Le four, c'est un choix parce qu'il y a une température ambiante qui ne change jamais. Vous pouvez aussi mettre votre casserole sur votre plan de travail, mais il va falloir bien le couvrir avec une couverture pour qu'il ne prend pas d'air et qu'il reste tout le temps à la même température. Ensuite, au bout de 6 heures, je sors ma casserole du four pour ensuite le mettre dans le frigo. Mais comme moi je veux que mon yaourt soit épais, j'ai mis un petit essuie-tout avec un bol pour extraire le jus. Et ce jus, je ne le jette pas, on peut le boire, il est très bon pour la santé. D'ailleurs, il est même connu pour traiter les calculs rénaux. Donc vous pouvez le boire sans problème. Et comme vous voyez maintenant, au bout de quelques heures au frais, mon yaourt est prêt à être mangé. Vous voyez la consistance, elle est bien dure, bien épaisse. Et le yaourt, je n'ai pas eu beaucoup de préparatifs à faire, si vous avez remarqué. J'ai juste tiédi le lait, je l'ai fait attendre 6 heures au four et 2-3 heures au frigo et mon yaourt était prêt. Je vous conseille de faire pareil. Sur ce, à très bientôt!